Salut à tous, Isaac Frostify, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est tranquillement posé, regardez, on est chez nous, dans notre appartement, dans notre quartier, dans notre cité. On est là, on est posé pendant que voilà, nos gars travaillent, l'argent rentre, etc. etc. Donc on est bien. Mais voilà, hein, vous savez, hein, vous connaissez, cette ville est dangereuse, donc voilà, il se passe toujours des trucs. Et on dort très peu. Donc voilà les gars. Donc comment dire? Là, on va un peu regarder qu'est-ce qui se passe dehors. Bah voilà, hein, on a nos gars qui sont là, qui surveillent. Regardez, ils sont là, ils surveillent si tout se passe bien dans la zone, tranquille. Tu vois, regardez. Donc voilà, hein, il le faut, c'est très important parce que les youths, ces fous de youths, et bah ils veulent un peu, comment dire, gérer toute la ville, tu vois ce que je veux dire? Sauf que on ne les laissera pas faire. Et voilà. Donc, on va tout de suite descendre. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il y a des youths qui se promènent encore dans notre quartier. Ça va grave pas le faire. On va devoir remettre les choses en place là. Donc, c'est parti, hein. C'est parti, on va régler ça fort. Alors, on a nos guetteurs hein, qui sont là, ils travaillent. Donc, alors, fais-moi voir. Donc là, j'ai cru comprendre que les youths veulent encore venir ici. Voilà, en tout cas, s'ils viennent ici, hein, ils savent, je pense, hein, qu'ils seront très très mal accueillis. Donc vaut mieux pour eux ne pas essayer de faire ça. Oh là là, regardez-moi ça. Si ça c'est pas une preuve que ici c'est dangereux, regardez les impacts de balles. Oh là 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 là, cette voiture. Non. Il s'est passé des choses ici. Hein. Regardez, vous avez vu des impacts de balles, des vitres cassées. Ah ouais, non, c'est chaud les gars. Bon, de toute façon cette voiture là, elle est plus trop, c'est plus trop possible de la conduire. Bon, c'est comment mon gars, les choses se passent? Bien. Bon, ça a l'air d'être tranquillement dans le quartier, ça a l'air de bien tourner. Bon, les gars, nous on va commencer, je pense, à. Je vais aller vers mon T-Max. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bah, ben, on va voir. Parce qu'on a en vrai, on a plein de choses à faire, tu vois. On peut aller soit se faire des gars des quartiers d'en face, on peut vendre en se faisant de l'argent. Voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut faire des contrats où j'ai des gars que je dois régler, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je pense qu'on va tout simplement aller faire un tour. Parce que là il y a des youths déjà qui se promènent dans les alentours comme ici là lui. Là lui je vais le régler de suite. J'ai peut-être dû prendre un gars avec moi mais bon. Donc, voilà. On l'a réglé. Voilà. Oh là là, par contre t'as vu, ça devient vite dangereux. Donc voilà, on va vite retourner dans le quartier. Je vais vite retourner dans le quartier là. Attends, c'est moi ou... Ok, non, c'est bon. Voilà, on va vite retourner dans le quartier. Tranquille. Ni vu ni connu. Je pense que... En fait, il y a pas mal là de choses qu'on doit régler dans cette ville. Parce que si on regarde bien, tu vois, regarde, là, on est quand même entouré par des youths. Donc il faut qu'on domine cette zone-là parce que eux, regarde, hein, eux ils sont bien, ils dominent tout le haut. Donc va falloir faire en sorte de mieux gérer les choses. Donc il y a des choses à faire. Hein. Par quoi on va commencer, je ne sais pas du tout en vrai de vrai. Donc va falloir voir. Regardez, on va observer un peu leur zone là. Là je vois qu'ils sont bien. Tu vois là ils sont bien, ils sont posés, tranquilles.
C'est chez eux ici. Il va falloir qu'on prenne cette zone. Hein. Il va falloir qu'on prenne cette zone. Regardez comment ils sont à l'aise là. Il va falloir prendre cette zone. C'est très important. Il va falloir voir. Je vais voir comment on peut faire ça. Il y a du boulot, il y a du boulot en tout cas hein, dans cette ville. Pas mal de boulot. Donc on va voir comment ça peut se passer. En tout cas, j'espère que toutes ces nouveautés vous font plaisir. Parce que. Wow! Parce que les gars, croyez-moi que c'est inédit. Bon, j'ai fait tomber mon T-Max, on va le ramasser, hein, tranquille. On va le ramasser, on va le ramasser. Allez, voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que tu observes, mon gars? Tu as vu quelque chose en particulier là? Non, non, il a rien vu, il a rien vu. Ok. Aussi, faut un truc aussi, il faut avoir un œil sur tous les quartiers. Toi, là, il y a un problème. Regarde, là, il y a un problème. Je vais te montrer c'est quoi le problème. Et je vais carrément aller en roue arrière sur lui. Hop. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a rien à faire là. Attends, non, c'est pas possible. Il a rien à faire ici. Il a rien à faire ici, le mec. Il a absolument rien à faire ici. Donc, tu vois, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est des trucs qu'il faut régler, tu vois. Le gars n'avait absolument rien à faire là. Ah, il y en a un autre en face là. Il y en a un autre en face. Il y en a pas mal en face là. Bon, bref. Ça, c'est au gars de faire le boulot parce que je t'avoue que là, c'est compliqué. Regarde, regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, les gars. Bon, là, on est de retour dans l'autre quartier. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon un peu pour voir comment ça se passe de ce côté-là, si tout va bien, si tout est carré, tout est propre, si tout t'as pas, s'il n'y a pas de youths qui traînent. Et les youths ne savent hein, qu'ils ne peuvent pas venir ici, hein, parce que s'ils viennent ici, ça va trop trop mal se passer. Voilà, c'est un peu le nord de la ville où. On maîtrise, mais les youths se permettent parfois de venir, donc on va vraiment rétablir l'ordre. C'est pour ça que je vous dis, les gars, hein, tout ce qui va être guerre de territoire et toutes les suites là, street sale et tout, il y a du chemin, il y a du chemin sur la chaîne là, les gars. Il va se passer des choses. Donc voilà, faut rester connecté parce que des choses, il va s'en passer. Hein, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Donc ok, on dirait qu'au niveau de ce quartier là, tout se passe bien. Tout a l'air de se passer tranquille. Ça a l'air d'être bien, ça a l'air de bien tourner ici. Voilà, on a les gars qui sont bien en train de sécuriser la zone. Donc on est bien ici, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, ici vraiment, genre, ils ont les gars de nos quartiers, ils ont l'œil partout, tu vois. Ah, et bah regardez qui voilà, on a un use, on a un use. Bah alors toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? C'est comment? Hein, tu fais quoi ici? Je crois que je t'ai pas vu moi. Ah ouais, en plus tu sors un pistolet. Ah ouais, c'est un fou. Ok. Ah, il y a des use derrière, il y a des use derrière. Ok les gars, bon je vous laisse vous occuper. On va faire un petit tour. Et ouais les gars, vous avez vu comment les youths comparés à là-haut ici, ils se font vraiment discrets. Ils sont là, ils passent, mais ils restent dans le véhicule. Sauf que ils ont cru qu'avec leur, ils ont cru que j'allais pas repérer leur gros crâne à l'intérieur du véhicule quoi. Ça c'est qui? C'est quoi l'intérieur là? Ok. Ah non non mais les youths, ils me font marrer. On va se les faire, on va se les terminer pour de bon. On va bien se les terminer, bien comme il faut. Donc on continue un peu de faire le tour ici. Ok. Voilà, on continue. Ok, y a rien à signaler. Donc voilà.
Là, vraiment, c'est ce que je fais là en ce moment, c'est vraiment, comment dire, on veille à ce que tout se passe bien, tu vois. Parce que là, le rôle que j'ai maintenant, bah voilà, hein, c'est on gère des quartiers, on gère des zones, on fait des guerres de territoire. Donc, on regarde, on fait en sorte que tout soit bien, tout tourne, que on soit respecté, que les ennemis d'en face ne viennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi, là on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal à ce niveau-là les gars. Ah regardez lui là, ici. Il est au quartier, il gère sa petite meuf, tranquille. Non, là c'est pour vous dire les gars, c'est vraiment la zone. Elle est quadrillée la zone, ils sont partout. Comment tu veux que des youths viennent, comment tu veux que des youths viennent ici imposer leur loi? Regarde, c'est même pour te dire. Regarde, on a la tata en haut là. La tata en haut qui est posée tranquillement, regarde. Ça doit être la daronne d'un des gars d'ici, tu vois. Regarde, elle est posée en haut, elle est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Est-ce que tu crois qu'elle pourrait faire ça en haut avec les youths qui traînent et tout? Non. Donc c'est pour montrer à quel point ici c'est vraiment notre zone. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. C'est un truc de fou. Non, 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 les gars. Ici, là, laissez tomber. C'est vraiment quadrillé de fou. Hein. Tu vois, c'est très rare qu'ici, il peut y avoir des tirs. Parce que, voilà, les youths, c'est des fous. Donc, regarde, regarde, ben voilà. Ça, c'est des youths. Moi, ça va être ça, mon rôle. Regarde, regarde, regarde comment il s'enjaille. Avec son gros crâne. Il croyait que j'allais pas le voir. Voilà. Maintenant les gars, terminez les... Oh, il y a beaucoup de youths, il y a beaucoup de youths, il y a beaucoup de youths. Oh là là, oh là là. Allez, terminez-les, terminez-les, terminez-les. 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 Ouais, les gars. Faut les terminer, eux. Ah, regardez, il y a plein de youths à bas qui s'enfuient là. Faut les terminer. Eh ouais, moi je suis comme ça, les gars. Je vois un youth dans leur véhicule. Mais eux aussi avec leur gros crâne. Ils croient qu'à travers leur vue, la vitre, je vais pas voir leur gros crâne. Mais je vois leur gros crâne. C'est ça qu'ils savent pas. Je vois leur gros crâne. Je vois leur gros. Oh, il y a la police. Ok. Il y a la police. C'est chaud. Il va falloir un peu se faire petit. Mais je vois leur gros crâne. C'est ça qu'ils savent pas. Qu'est-ce qu'il fait lui tout seul là-bas? Je vois leur crâne à travers la vitre teintée de la voiture. Donc ils vont pas y échapper. Ils pensent y échapper, mais non. Mais non. Ah là 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 là, non, c'est. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable, les gars. Vraiment, je vous le dis. Ah, oula, la police qui est là. Bon, ok. Oula, 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 oula. Oh, oh, oh. On s'enfuit. On s'enfuit, on s'enfuit. Ok les gars, je vous laisse vous charger. Hein. Je vous laisse vous charger du reste. Moi je bouge. Tu vois. Si des gars de mon quartier se font prendre pour finir en garde à vue, ce genre de truc, ça va. Tu vois. Mais moi jamais je dois me faire attraper. Tu vois ce que je veux dire? Moi ça ne doit jamais arriver. Regardez, il y a la police là. Ah non, moi ça ne doit jamais arriver. Ça, faut le savoir. Ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. Donc voilà les gars, en tout cas, on gère ça bien comme il faut. Et voilà quoi. On s'impose, on impose le respect. Et c'est quoi? Oh là là, la police est même là. Oh là 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 là. Oh là là. Ah là là, ils m'ont eu. Alors là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, je vous avoue. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Hop, on va se barrer. Tac. Oh là 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 là, je voulais faire le mec qui monte avec sa. Qui monte avec son T-Max ici. On dirait que c'est pas passé. Bon, normalement, la police ne peut vraiment. Ah si, bah si, la police peut faire un tour ici.
Là, ils sont en train de me chercher partout. Mais voilà, en tout cas, on a maîtrisé le bail normalement. Oh là 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 là. Ils sont là, ils sont partout, les gars. Bon, de toute façon, on va. Tu sais ce qu'on va faire? On va se. Attends, je vais essayer de trouver une solution. Trouver une. Ah, attends. Là, vous regardez, là, on arrive dans des zones ennemies, hein. Vous avez vu là les violets? Ça, c'est. On arrive dans des zones ennemies, hein. C'est pour vous dire à quel point il y a encore beaucoup de boulot là. Tu vois, là je suis. Oh là là. Je ne me prends que des voitures. Regardez. Là, il y a les violets, tu vois. Là, je peux me faire attaquer bêtement. Parce que là, je suis pas trop dans mes zones. Là, je suis pas trop dans mes zones. C'est-à-dire. Wow, faire attention. Car là, il y a des violets. Pas trop faire le dingo. J'avoue, je vais pas trop faire le dingo ici. Parce qu'il y a les violets. Tu vois. Mais ici aussi, on a une de nos zones. Ici, tu vois, on a une de nos zones. Voilà, ça, c'est notre zone. En plus, vous avez été témoin, ça. On l'avait pris, cette zone. Il y a un petit moment, déjà, il y a quelques mois, on l'avait pris. Et c'était notre zone. Bon, les gars, en tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Mettez un maximum de j'aime dans les commentaires. Me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.